Hey, c'est Émilien, les gars. Hein? Émilien. Duplessis est rentré hier soir! Yeah! Allez, vas-y, Jeannot! Il a gagné ses épaulettes, maillot valurette. Il a gagné ses épaulettes. Les gars! Émilien! J'ai déjà pas oublié! On les a pas toutes données! J'ai réussi à en sauver une du naufrage! Tidré! Sans Hermine Babel, faut fêter ça! Hey, vive ceux qui votent du bon bord! Vive Duplessis! Vive l'Union nationale! Hey, ça a dû prendre pas mal de télégraphes, ça! Dans Shawinigan, ça a été des élections propres. L'Union nationale n'a rien fait que les libéraux ont pas fait. Ça veut tout dire! Aux libéraux! Qui ont eu la sagesse de nous montrer leur couleur de communiste. Grâce à Maurice, la Shawinigan Water and Power va veiller à la prospérité de la Mauricie. Et à la nôtre! Ouais! Ouais! Hurrah pour la Shawinigan Water and Power! Hurrah pour la Shawinigan Water and Power! C'est vous gâter un peu, hein? Attendez un peu. J'aimerais aussi en profiter. Pour prendre un coup! Hey, Antoine! Laisse faire les discours! On les a gagné nos élections! Hey! Clément a parlé! Veux-tu ça, non? Ouais, ben ouais, dis-le! Accouche, Antoine, accouche! Je lève mon verre à Maurice Duplessis. L'homme qui voit plus loin que toutes vous autres! Au chef! Au chef! This election is a good for you. It's good for us. It's also good for you. That's right. Hey, John! C'est à ton tour! Ouais, ouais! Hey, toi! Hey, ouais! C'est une jig irlandaise, ça, t'es capable! La province de Québec, c'est la grande maison paternelle de la nation canadienne-française. Il faut avoir un plan. Et dans ce plan ensemble, il y a une place de choix pour l'agriculture, il y a une place de choix pour les ouvriers, et il y a une place de choix surtout pour notre jeunesse, qui sera appelée demain à assumer le fardeau qui nous incombe aujourd'hui et à continuer l'œuvre de nos aïeux de façon à assurer à la province de Québec sa survivance dans le progrès et dans la prospérité. Charles, avec Germaine, la fille d'Émilien, dans le pick-up samedi soir. Quoi? Et vous êtes grossier. Je suis pas grossier, je suis jaloux. Est-ce qu'on va sortir le site de bonne heure? Encore juste un petit sautage, ça devrait être réglé. Si Clément peut s'enlever les doigts dans le nez puis nous forer les 60 trous qu'on a de besoin, on devrait pouvoir rentrer en ville à soir. 60 trous, c'est passé, ça en prendrait plus. Ben, yeah, le petit ingénieur a sorti sa règle à calcul. Antoine, tu devrais peut-être l'écouter plus souvent, le petit ingénieur. Riez tant que vous voulez, vous verrez bien. On n'a pas le temps de forer plus de trous, on va se faire prendre par la noirceur.
Vous pourrez pas dire que je vous ai pas averti. Ce granit-là est plus solide que vous pensez. Ça peut bien être, ça. Hey! Un gars de l'hydro qui est perdu dans le bois. Je vais aller voir. Hey, mister! Si les voir du vrai monde travailler, c'est la bonne place. Oh, Mr. Carter! What a surprise! Je pensais qu'on avait rendez-vous. Ah! Je me souviens, là. On aurait pu faire ça en ville. Je vous présente mon associé, Antoine Beaulieu. Je vous connais de réputation. They say you're the best. Ben, well, si c'est Émilien qui vous a dit ça, je le croirais pas. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Tu vas nous excuser, Antoine, mais je pense que M. Carter veut me parler. Bon, fumez votre dernière cigarette, pour part. Toi, si tu vas aller te montrer sa main avec ton bécic à gaz, arrête de faire tes niaiseries. Antoine, On ne peut pas dire que vous êtes facile à joindre. Ma fille Germaine prend un message sur deux. Puis des fois, ceux qu'elle prend, elle oublie de me les remettre. Bercimis, c'est un projet sérieux? Bercimis, c'est toute la Côte-Nord. C'est très sérieux. Beaulieu et Vigneault Excavation est sur notre liste. Ah, on a toujours rempli nos engagements. Et vous avez toujours voté du bon bord. Ça, on n'a jamais négligé la caisse du parti. Monsieur Vigneault, moi, je fais pas de politique. Je construis des barrages et des centrales hydroélectriques. Votre réputation est bonne. J'aimerais pouvoir faire affaire avec vous. C'est que, voyez-vous... I heard you were interested in working for Hydro at Bercimis. As Vigneault, I don't know me. They don't have what it takes. Would you like to have bureaucrats as bosses? I'd think twice about it if I was you. Mien tell me that Beaumont is your last dam. For Christ's sake, we're the Shawinigan Water and Power. We do more than build dams. J'ai déjà vu du monde plus heureux de se faire offrir un contrat. Non, mais c'est sûr, ça m'intéresse. Mais il faut d'abord que je vois dans quoi je m'embarque. C'est pour quand, combien de temps ça va durer. Puis je suis pas tout seul là-dedans. Vous voulez une réponse pour quand? Pour hier. Là, on a un problème. De toute façon, il n'y a rien décidé. I wouldn't be surprised if the whole Bercimis project gets handed back to us. These guys from Hydro, they don't have the know-how. Emilien had better be careful. You tell him that. Anyway, so how's the work going? Right on time. Good. Faut être franc avec vous, là. Si je prononce le mot Hydro-Québec, mes associés vont avoir peur de se faire barrer par la Shawinigan. Le futur, c'est Hydro-Québec. Celui qui voit pas ça peut rester dans son village et regarder le train passer. Est-ce que je dois regarder ailleurs? Non. Tout ce que je veux, moi, c'est un peu de temps pour convaincre mes associés, c'est tout. Si vous voulez aller voir sur place l'ampleur du projet, on est prêt à vous amener sur la Côte-Nord. Mais retardez pas trop. Pour nous, vous êtes les meilleurs. Mais vous n'êtes pas les seuls. Ah, la bonne femme, elle a demandé ce qu'il voulait, ce qu'il souhaitait. Ah, je voudrais madame. Faut que j'en parle à Antoine. Renaud, on peut-tu faire quelque chose pour toi? Ah, vous voudrez bien. Hey, à l'hydro, connaissez-vous ça de la dynamite? Renaud, tu charries, là. Je veux téléphoner. Ah, la bonne femme a dit, mais pas tant d'or, ben, dis bien, mon mari, t'as rapide blanc. Il y a des gars d'hydro qui s'en vont puis qui s'en vont. Il y a des gars d'hydro qui s'en vont puis ça me fait rien. Ah, oui, n'y a rien. Vous savez pas vivre. Émilien, ce que tu fais avec les ingénieurs de l'hydro, je veux pas le savoir. Mais à partir de là, c'est un de fois tes appointements ailleurs. Hey, qu'est-ce que tu fais à toi, toi? On est libre! Hey, Emilien! Baboum!
Ça sautera pas. Comment ça? La roche est trop dure, puis les trous sont trop distancés. Ça saute à matin. Ça va sauter après-midi. Ça n'a pas cassé. Je l'avais dit. Bon, on va remettre ça la semaine prochaine. Pas question. Clément, on sort les foreuses. Hey, c'est samedi aujourd'hui. Je veux mon samedi soir, je veux pas perdre Linda. Oublie ton samedi soir, puis oublie Linda. On sort pas d'ici tant que la job est pas finie. Bon, ben les gars. Charles. Qu'est-ce que t'en penses? Que j'en pense? Moi, je pense qu'à l'heure qui est là, on a juste le temps de forer. On fera le sautage demain matin. À moins que... À moins de quoi? De recharger dans le même trou, mais avec plus de dynamite? Trop dangereux, ça. Va te donner un coup de main, Clément. Pas à Shawinigan la soir. Ah ouais, comment ça? Ça a pas cassé. On finit la journée à Foran, demain matin on charge. Inquiète-toi pas. On va être à Shawinigan pour la messe de 11h. M'inquiète pas. T'as peut-être dû écouter Charles. J'ai pris une chance, ça a pas marché. Tu peux pas dire que ça m'arrive souvent. Non, de toute façon, on perdra pas notre bonus avec ça. Jeannot doit être en maudit. Qu'est-ce que t'as en arrière de la tête? Tu veux que je te le dise? Mm-hmm. Merci, miss. On a toujours fait une bonne job pour Duplessis dans le comté. Hydro-Québec nous a mis sur la liste. C'est bien que merci, miss, c'est juste la politique. Hydro-Québec a jamais un rein assez solide pour bâtir ça. T'as dit qu'ils sont sérieux? Et son monde, sa côte nord, qui c'est qu'il va y faire, les contrôles de la Shawinigan? Ils voudront plus travailler avec nous autres. Antoine, il faut voir plus grand, plus loin. Je suis pas d'accord. On n'est pas pour s'expatrier sur la Côte-Nord. J'ai une famille, moi. Peut-être qu'une fois, tu pourrais faire un effort. On fait ici, là, le petit barrage. C'est probablement le dernier barrage de la Shawinigan. Après ça... Baptême. Attends-moi, Linda! J'arrive! La bonne femme a demandé ce qu'il voulait, ce qu'il souhaitait. Ah, je voudrais, madame, je voudrais bien me coucher. Ben couche-moi là, madame, dis-moi, mon mari t'aura plus de l'air. Y'a des hommes dorés qui se couchent, qui se couchent. Y'a des hommes dorés qui se couchent, mais ça me va bien. Ah oui, y'a. Hey, c'est toi qui as décidé de faire ça? Si tu veux t'en prendre à quelqu'un, c'est à moi. T'as rechargé des mêmes trous. Toi, t'es ça, laissez faire. Non, c'est pas moi ça qui... Ça a marché. La job est faite. C'est samedi, puis on descend en ville. Toi, je t'avertis, si jamais tu me refais Antoine, ça encore Antoine, calme-toi. T'es pas marché parler, Antoine. Non, je t'ai vu faire des folies bien pires que ça. Ah ouais? Bon, la job est faite, puis y a personne de blessé. Mais Antoine a raison. Les cow-boys sur nos jobs, on n'en veut pas. Le métier qu'on fait, c'est pas un métier de fonctionnaire. La job, on la fait ou on la fait pas. On travaille pas pour l'hydro ici, hein? Ouais. Toi, Clément, tu te mêles pas de ça comme d'habitude? Quand Antoine n'est pas là, c'est toi qui es supposé être le boss. Je le savais que ça me retomberait sur le nez. Quand tu as un problème, c'est toujours de la faute à Clément. Comment c'est votre temps qu'on descend, lui? Il a dit que ça sauterait, hein? Je m'étais pas trompé sa quantité de dynamite. Ah, pas pire. Mais si ton père il savait que je t'écoutais, par exemple. Ah! Hey! C'est ça!
Votre père! Ça va pas? Bonsoir, papa. Ouais. Qu'est-ce que Jeannot a encore fait? Rien. Quand ton cure-dent est de ce bord-là, là... Va finir par se casser le cou, celui-là. Pas de bonne humeur? Ben. Moi, je vais aller danser. Ça fait qu'organise-toi. Je vais arranger ça, là. Comme ça, quand t'étais plus jeune, tu prenais des risques. À force d'écouter les histoires de Jeannot, tu vas finir comme lui. Puis? Quoi? C'est quoi l'histoire entre Émilien et le gars d'Hydro-Québec? Oh. Des niaiseries. Émilien pense que je vais monter sur la Côte-Nord quand on a plein d'ouvrages par ici. Où ça, sa Côte-Nord? À Bercy-Miss. Une idée de fou d'Hydro-Québec. Des idées de grandeur pondues par des petits fonctionnaires. Pourtant, c'est Duplessis qui a dit... Qu'est-ce qui t'a dit, Duplessis, toi? Ben que... nos richesses naturelles nous appartenaient, c'est à nous de les développer. Ben c'est ça. Comme la Shawinigan, une vraie compagnie. Un chantier, c'est à Bercy-Miss, c'est au bout du monde. Il n'y aura plus personne de la Shawinigan pour nous offrir un contrat si on se met à travailler pour Hydro-Québec. Ben, c'est que... Ben, c'est que quoi? As-tu besoin du pick-up à soir? T'as bien travaillé. Merci, papa. Ah oui. Rentre pas trop tard. Y a-tu du bon vent? Oui. T'as pas les clés? T'as toujours eu le tour avec le père, toi. Ouais. Toi. Tu t'es chicané avec Charles? Ben non. D'habitude, t'es plus pressé que ça d'aller le rejoindre. Papa, je veux pas passer toute ma vie à Shawinigan. Qu'est-ce? C'est quoi ça? T'as pas tout ce qu'il te faut ici? Hein? As-tu déjà manqué de quelque chose? Ben non. Quand ta mère est morte, je lui ai promis de prendre soin de toi. Tu me le dirais s'il y avait quelque chose, hein? Oui. T'es ma petite fille. Tu vas toujours être ma petite fille. Papa. Hein? Charles est là. Tellement ennuyé. Ben oui, mais c'était à toi d'accepter la job d'été de la Shawinigan. Rien, qu'est-ce qui te prend? Tu le sais que j'aime ça, les chantiers. Charles. Qu'est-ce
qu'on va faire? Il faut que tu sois patiente. Il me reste 2 années d'études, puis je vais avoir mon diplôme d'ingénieur. Après, on va se marier. Mais il va falloir que tu acceptes de me voir partir de temps en temps. C'est pas ça, tu vois rien, grand innocent. Germaine. Charles. Je suis enceinte. Émilien, il faudra que tu surveilles ta fille, là. Elle a un œil sur un beau lieu. Salut, Linda. Comment tu fais pour sortir avec un moineau de même? Nous autres, les beaux lieux, on a bien le tour avec les femmes. Émilien, persimiste, je suis ton homme. Linda. Ah, elle va comprendre. Monsieur Vigneault, je voudrais vous demander quelque chose. Monsieur Vigneault? Ça doit être sérieux. Monsieur Vigneault, je voudrais vous demander la main de votre fille Germaine. Comme ça. Traite de même. Un samedi soir à l'hôtel. Je vous jure que je vais en prendre soin. Pourquoi tu renifles, toi? Papa? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Je suis enceinte. Toi, tu restes là. Papa? Moi, je te faisais confiance. Papa, fais pas de folie! Oui, mon petit maudit fendant, là. Germaine, c'est toute ma vie, tu comprends? Regarde ce que t'as fait, là. T'apprends-tu un petit maudit enfant de chien de faire une affaire de même? Je vais l'élever tout seul, cet enfant-là. Toi, tu viens lui gâcher sa vie. Non, papa! Je suis un enfant, papa. Je suis capable de prendre soin de moi. Ta mère est au courant? Non. À toi non plus? Non. Voir si j'avais besoin de ça, moi. Ben non! Non, Linda, attends! Non, attends! C'est pas ça que je voulais te dire! Oh, vierge! Oh, laisse donc faire, hein? Oh! De Bérod. Mas bescroué d'un slot A, B, C, D, A, A, Rod. E-Rod, ça aussi. Je comprends pas. Ils disent de mettre les B dans A, puis B de A. C'est tout ça? Oui, c'est ça. Ça, c'est une B-Rod, puis tu... Où c'est qu'ils sont, les slots? Je vais aller chercher. Parle, où c'est qu'ils sont, les slots? C'est ces pins-là, là. OK. Dans, non, 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 non! Étendez pas tout ça, on va en perdre des morceaux. C'est pas compliqué à monter. Laisse donc faire ton père. Il prend la sirode, qu'il enfile dans la slot. Mesdames, messieurs, il ne manque plus à ce match en levant que la clé. Slot. La clé de bras japonais. Zatem, c'est bien compliqué. 2, 3. Claude, ferme-la, tu m'énerves. Charles, je pourrais pas te traduire à ton père. Bon, c'est ça, toi. Prends-moi pour un incapable. Oh, puis arrêtez de me courir autour, vous allez tout me mélanger, là.
Bon, inquiète-toi pas, mon père va leur parler, là. Vous installez la télévision? Hey, ça fait 3 mois que les enfants crient pour en avoir une. Et toi aussi, tu vas être obligé d'en acheter une, Émilie. Bon, comme ça, tu vas accrocher. Tiens, carotte droite, là. Hein? Ah. Non, pas comme ça. Juste, pas comme ça. Ça a l'air que vous vous êtes fait proposer un gros chantier. Ah, Antoine t'en a parlé? Mais non, justement. Il a essayé de pas m'en parler. Ben, c'est pas encore décidé, là, mais... Carter, le gars de l'hydro, m'amène sur la Bercimis. Je pars demain. Tu peux pas aller voir, mais tu perds ton temps. T'es-tu sûr que c'est la bonne rade, ça? Non. Je vais aller l'aider avant qu'il se fâche. Puis, si la proposition est sérieuse, embarque-tu? J'embarque si la Shawinigan n'a plus d'ouvrage pour nous autres. Tiens, tu parles anglais, toi, explique-moi non ça. À propos de ça, faut que j'en parle à Evelyne. Tout bout du monde, la Côte-Nord. Vous allez être parti combien de temps? Laissez-moi aller voir, je vous en reparlerai. B and C Rod et C. Pas de l'anglais, ça, c'est du chinois. Allez, visse-la, visse-la, vite. C'est beau, mon Claude. Ouais. Ah oui, la petite. Pousse, 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 pousse. Ça! Viens voir! Faut que je te parle. Tu sais que je vous ai jamais mis des bâtons dans les roues, mais arrive-moi pas avec un plan de fou. Non, 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 c'est pas ça, c'est... Charles puis Germaine. Ouais. C'est parce que... Germaine est enceinte de Charles. T'as voulu ta télévision, tu vas l'avoir. Mais qu'est-ce que vous avez tous les deux? Vous faites des faces de carême. Antoine, on a un petit problème. Non, il n'y en a pas de problème. Lâche-moi pas, le plus dur est fait. Non, mais... Il n'y a pas 36 façons de le dire. Germaine est enceinte de Charles. Ils veulent se marier. Qu'est-ce qui t'a pris? C'est-tu comme ça qu'on t'a élevé? On s'aime. De quoi qu'on a l'air, ta mère puis moi? Germaine, c'est comme notre fille. Puis toi, tu le savais, je suppose? On n'est plus des enfants, on veut se marier. Puis tes études, vous allez vivre avec quoi? Ça, c'est fini, mes études. Je vais travailler, je suis capable de me débrouiller. Non seulement tu mets la fille de mon associé enceinte, mais tu décides de lâcher les études d'ingénieur quand je t'ai payé. Hey, si c'est une question d'argent, je vais te rembourser. C'est pas une question d'argent! T'es en train de balancer ta vie par-dessus bord pour une... Quand on se marie, on prend maison! Tu veux me mettre à porte, tu me le diras pas deux fois! Émilie, dis quelque chose. Bon, bon, bon. Avant de prendre une décision, il faut laisser... Il faut se calmer un peu. Tu veux travailler? Oublie pas qu'on repart demain matin pour le chantier à 5 heures! Oublie pas qu'à la fin de l'été, mon contrat est fini. Quel contrat? Mais justement, j'en ai pas de contrat, fait que je peux travailler avec qui je veux! Bon, bon, montez dans le truck, on s'en va faire un tour. Claude Bataille maudit sans dessin! Ben là... Là, je rentre dans la maison. Puis je veux pas voir personne. Bon, ben, c'est pas à soir qu'on va regarder la télévision, hein? Thank you.
Hi, John. Monsieur Vignon, là en bas, c'est le Bercy Miss et le lac Cassé. Le bout du monde. Et plus bas, là-bas, de l'autre côté de la crête, les rapides. C'est là qu'on va construire le barrage. Puis la centrale? Une centrale souterraine. C'est de là que va partir l'eau qui va descendre par là jusqu'à une centrale. Une centrale souterraine. C'est ça. Vous voulez construire un tunnel dans le roc? C'est ça. 7.5 miles. 5 000 et demi dans le roc? C'est en plein ça. Ça, c'est l'entrée du tunnel, ça. Hey, c'est de la grosse ouvrage, ça, Mr. Carter. That's why I want to work with you. Ouais, ouais. Non, je peux pas sauter là-dedans, les yeux fermés. Je pensais que c'était un petit barrage, moi. L'Arbeaulieu et Vignon ont les reins solides, mais... Non, je sais que vous êtes pressé, mais il faudra encore quelques jours. La prochaine fois que je vous téléphone, c'est oui ou non, Monsieur Vignon. Ouais. Vous allez remplir tout ça? Hé, hey, ça, c'est de l'eau, ça. Ça, c'est de l'énergie. Qui c'est qui a bien pu avoir une idée de fou de même? C'est branché, ça. OK? OK. Hey, pas si fort, c'est de la dynamite, ça. Chance, c'est la dernière journée. Qu'est-ce que t'as dit? Viens! Hé, on m'a toujours pas dit comment ça s'était passé avec la fille d'Émilien. Ben pour dire, hein? On lui donnerait le bon Dieu sans confession à notre petit ingénieur. Je suis pas ingénieur. Ah non? Comme ça, t'as décidé de lâcher? C'est de valeur. J'ai pas eu la chance d'aller à l'école, mais je vais être pogné pour travailler le restant de mes jours sur les chantiers. Il y a de mal là-dedans. Peut-être. Tu seras jamais ingénieur. Ben, tu seras jamais un boss. Pas de gros char, pas de pitoune. Ouais. Ouais, ben, une autre job de fête, hein? Quand est-ce qu'on commence au barrage? Tu demanderas ça à Émilien. Clément! Fais attention à pas t'enfarger! Hé, Jeannot! C'est la dernière journée. On est pas pressé. Hey, moi, j'ai hâte de partir de ça, t'en tabarnak. Comme ça, tu vas te passer à la corde au cou. Tu sais pas ce que tu manques. Ouais, laissez faire la morale, là. Va me chercher ma gaule, là. Ils ne sont plus jamais les mêmes. C'est lui qui mettait le fun. Avez-vous besoin d'aide?
Non, 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 ça m'occupe. Il était bien casse-cou, mais on y pardonnait toujours. À la Shawinigan, qu'est-ce qu'ils vont dire? La Shawinigan, Antoine, c'est fini. Ils m'ont gardé un réseau de distribution, mais la construction des barrages, c'est fini. Ouvre-toi les yeux. Allez, travaillez, vos deux fonctionnaires. Vous voulez y aller? Allez-y, moi, je vois pas. Antoine, si je pouvais t'amener sur la Bercimis, tu comprendrais tout de suite. C'est gigantesque, les travaux. C'est peut-être trop gros pour nous autres. Bon. En tout cas, moi, ma décision est prise. Et je suis prêt à réinvestir mon bonus. Moi aussi. Moi aussi. Quel bonus, toi? J'ai aussi droit à ma part du bonus. Cet argent-là m'appartient autant qu'aux autres. Je t'ai jamais changé de pension. J'ai toujours donné mes salaires. J'ai payé tes études. Avec mon argent! T'es pas un associé dans la compagnie! Et là, vous allez baisser le ton ou je vous sors de la maison. Un peu de respect. OK. Vous êtes tous contre moi? Collissez-moi votre camp. De toute façon, on n'a pas besoin de toi. Il y a Clément qui est capable de faire la job, puis Richard. Clément, puis Richard. Moi, mon idée est faite. Je suis Emilien. Moi aussi. Antoine? Si Jeannot sera encore ici. Jeannot, il était d'accord pour monter sur la Bercimis. En tout cas, je vais essayer de te convaincre. Si tu changes d'idée, fais-moi signe. Germaine, viens-t'en, on s'en va. N'oubliez pas que le mariage, c'est pas dans deux semaines. En attendant, je m'installe chez Germaine. T'es content, là? Hein? Ouais, Clément, tu peux y aller. Faire ton mieux.
Morin, baptême! Hey, les gars! Ventilez-moi ça, là, qu'on aille voir les dégâts. Morin! As-tu un problème? Laissez-nous le temps de finir notre cigarette. 3 heures. À l'heure qu'il est là, on n'aura pas le temps de faire un autre sautage avant la fin du chiffre. Les ventilateurs sont pas assez puissants. On est obligé d'attendre 1 heure avant que la place soit ventilée. Les hommes se traînent les pieds, puis vous dites rien. Je vais aller y parler. Hey, comment, les gars? Comment, amenez la femme, là? Amenez ça! Allez, allez! D'une heure! Monsieur Carter? Emilien? C'est pas de notre faute, mais on va encore faire 2,5 rondes aujourd'hui. Qu'est-ce que t'en penses, Emilien? Ouais, Charles, là, va falloir qu'on se parle. T'es plus un enfant, là. C'est pas de ma faute si les hommes se traînent les pieds. T'es papa. Un gros garçon du livre. Je suis papa. Merci, Emilien. T'es papa. Oh, ouais. Germaine, elle. Bon, elle va bien, elle va bien. C'était dur, là, mais elle va bien. Un garçon. Ouais, mais le grand-père. Donc, Clément, tu m'avais promis 3 rondes par jour, toi. T'es en retard. Ouais. C'est pas encore inquiétant, mais si on se grouille pas, ça va finir par. Par quoi? Va vous sauter d'en face.